Hey, salut tout le monde, c'est Rieturu et on se retrouve aujourd'hui directement après le précédent épisode de l'Ombre du Mordor. Et voilà, on reprend là où on s'est quitté, avec deux quêtes annexes, une pour l'épée, une pour la dague, mais moi... Le Seigneur des Ténèbres sera bientôt là. J'espère qu'il ne tuera pas tous les esclaves de la région. Je déteste manger du rat. Voilà, donc ça c'est notre mission. L'esprit du Mordor. Les violentes luttes de pouvoir permettent aux Uruks de l'armée de Sauron d'abuser sans relâche des orques les plus faibles. Découvrez comment le pouvoir du spectre peut exploiter ces luttes en perçant les esprits faibles pour traquer les forces ennemies de l'intérieur. Un esprit d'orque en particulier brille tel une vision écrasante de faiblesse. C'est parti. Rodeur, approche si tu veux la main noire. Ces vermines d'esclaves te versent du poison dans les oreilles. Mais si tu coupes ces cordes, Gradbach te dira tout ce que tu veux. C'est un orque rigolo, lui. Qu'as-tu de plus que tous ces orques qui sont morts? Vas-y, espèce de chac, fais-le! Je mourrai et tu ne sauras rien. Je vais peut-être accéder à ta requête. Mettre fin à ta misérable vie. Non, je plaisantais. Écoute, ces orques n'ont aucune chance contre l'armée orque. Leur plan empeste le poisson pourri. Qui? Mais Radbag peut t'en dire plus sur les orques. Radbag peut faire marcher ton plan. Ha qui chiffre molle. J'ai hâte de découvrir ce que tu sais. Ah, ça brûle! Goroth. Goroth le maître Karagor. Ouais, il a des faiblesses et des forces, voilà. Il est vulnérable aux bêtes chevauchées. Donc c'est un maître Karagor, mais il a peur des Karagor. On va s'en servir. Le compagnon boulet, quoi. Le boulet de service. On ne peut pas se fier à ces esclaves prêts à vous frapper en traître. Au moins, les Uruks attaquent de face. Et généralement à la gorge. Nos objectifs se rejoignent, Rodeur. Écoute, tu veux tuer le capitaine et quelqu'un doit prendre sa place. Et quelqu'un comme Radbag. C'est ce Goroth qui commande? Dans ce camp, oui. Mais il n'est pas chef de guerre. Eux dépendent directement de la main noire. Ils verront quand je serai dans le petit cercle de la main noire. Devenir capitaine n'est que le début du plan de Radbag pour devenir chef de guerre. Alors prépare-toi à lui passer sur le corps. Ah ah, je t'ai libéré, vermine. Voilà, alors des nouveaux ennemis, voilà. Alors plus on va avancer dans le jeu, plus on va avoir de nouveaux ennemis, et plus les nouveaux ennemis sont balèzes. Donc voilà, ceux-là, ils ont une garde. Donc à moins de leur défoncer le bouclier avec une compétence que je n'ai pas, ou alors de leur passer dans le dos. Occupez-vous du rôdeur, pas de moi. C'est une cible plus facile. Son épée est cassée. Fichez la paix à cette vermine. Ah, comme il... Comment il a peur. Ah, ta 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 ta. Pas moi.
voyez, comme il a peur, il se retourne contre moi, le traître. J'aime pas vraiment avoir des objets pointus dans la peau. Ah oui, je l'ai eu, voilà, on peut défoncer leur bouclier. Ah, touche pas mon pote, Ratbag. J'ai le bas ventre fragile, et la peau assez sensible. Putain. Bien joué, Runner. Maintenant, imagine que tous ces corps sont grottes. Visualise ton but. Merci. Rod veut la peau de Ratbag depuis des années. C'est un sale arrogant. On se cogne dessus depuis aussi loin que Ratbag s'en souvienne. Mais Ratbag ne gagne jamais. Le faible. Une fois, il a envoyé Ratbag dans la fosse à Karagor. Tous les autres ont bien ri pendant que le Karagor jouait avec Ratbag. Gorod va le payer. Oui, cette Shrak va le payer cher. Gorod garde des Karagor dans des enclos. Et le bruit court qu'il n'aime pas trop s'en approcher. Et je parie que tu voudrais que j'ouvre ces enclos. Gorod est toujours là-dedans. Il sort jamais. Je me demande où il pisse. Oh, ça explique l'odeur. Je te montre pas. M'occuper de dégrader. Ah, le con. Excellent plan. Tutu, j'attends. C'est du génie militaire. Ah, le con. Le capitaine Gorod est juste devant. J'en salue. C'est l'heure de la vengeance. C'est le marteau qui devrait commander. C'est le plus terrifiant des capitaines noirs. Ah là là, ce Ratbag, c'est vraiment une blague. Tu sors du rang, je te ferai écorcher. Le mec, c'est une grosse peureuse. Ah là, le mec, il a aucun courage. Voilà. Un intrus ! Hallucination ! Découpez-le dans le temps ! Oh, je me suis fait repérer ! Bah, je me suis fait repérer. On va se planquer, histoire de se moquer un peu de Ratbag. Donc, l'objectif, c'est de tuer le capitaine machin, là, qui a peur des Karagor alors que c'est un maître Karagor. Voilà. Et après, Ratbag va prendre sa place. Et oui, parce que Ratbag a un courage incroyable. Hein. Ah, bol de grog. Le mythe du bol de grog Uruk, répugnant et incrusté de crasse, est une réalité. À force de coups, les formateurs Uruk apprennent à leurs combattants à garder leur bol de grog le plus proche possible afin d'éviter les contaminations. Ces bols sont généralement faits d'argile et cuits dans d'immenses fours. Mais le Mordor s'est révélé être un royaume généreux pour les Uruk. Et certains bols sont désarmés en métal ou en bois. Super. Donc là, le grog. Ouais, grog, hein. Bah, c'est un grog, quoi. On agira ce soir. Fini de recevoir les ordres de ce maudit Urukai. On se faufilera dans la caserne. Et on saignera cette Shrak à blanc. Il prendra voix de grands airs une fois mort. Et on dirigera cet endroit. Toi! Et moi, tout sera à nous. Non, de la viande fraîche, au corps de grog. On n'aura plus jamais faim, c'est certain. Voilà, les orques qui complotent entre eux pour se mettre la misère. Leur grog est âpre, mais c'est un remède efficace. Ces Uruk sont vraiment le reflet déformé de mon espèce. Alors. Bon, écoute, hein. Je pourrais tuer Gorod. Je me demande si un autre qui est déjà passif d'argent. Je dormirai de se pousser et de me laisser régler son compte à cette Shrak. Ça m'a l'air d'un bon coin compliqué, un petit serveur de. Gorod te tuera s'il te prend à roupiller. Gorod ne vient jamais ici. Il traîne toujours du côté du Kansas. Gorod est dans le Kansas.
Apparemment, il n'est pas toujours au même endroit. Un capitaine qui a peur de sa propre bête. La peur est un outil puissant, Talion. Exploitons celle de Goroth. Voilà, parfait. Donc on va... On va faire ça, hein. On va faire ça. On va exploiter sa peur. Alors, voilà, j'ai libéré cette bête. Maintenant, l'objectif, ça va être... Ah, merde. Bon, bah, tant pis. Bon, bah, au revoir. Merde! Oh là là! Bon. Oh! Avec un peu de chance. On approche. Ninja! Bon. Laquelle de ces vermines est Goroth? Voilà. Bon, allez. Maintenant! Je fais pas trop de bruit parce que je vais me faire repérer. Non, je déconne. Non, je disais je fais pas trop de bruit parce que comme ils parlent tous. Putain, vas-y, c'est bon, j'ai compris. Ah, mais laisse-moi. Putain, c'est pas possible. Voilà, allez. Ah bah il est là, Goroth, là. Alors on va admirer le spectacle, vous savez quoi? Est-ce que je peux le choper au passage? Oui! Oui! Boum! Ah, ah, dommage! On va t'interroger! Ouais! Accepte-moi! Donne-moi des renseignements sur... je sais pas... Bah lui, tiens! Brog le jumeau. Voilà. Boum. L'explosion crânien. À la fin des luttes de pouvoir, les rapports de combat résument les événements et les changements de pouvoir dans l'armée de Sauron. Appuyez sur... pour consulter le rapport de... Ah oui, et là on va voir le petit duel. Ratbag la mauviette. Et voilà. Grâce à moi, Ratbag a été promu capitaine. Ah bah elle est belle l'armée orque, hein. Et vous deux. J'ai besoin de vous pour transporter un cadavre. Je vais m'en faire un trophée. Dégage, vermine. Obéis aux ordres de Goroth. C'est pour son cadavre puant que j'ai besoin de vous. Maniez-vous, allez. Ferme-la un peu. Ah, une oreille. Oh oh. Un peu de respect, bande de limaces. Vous vous serez les prochains sur la liste. Ratbag est votre capitaine. Jeter un coup d'œil. Allez, et quand vous aurez terminé, j'aurai d'autres corps à transporter. Retrouvez-moi au carrefour. Un vieil ami va bientôt perdre la tête. Ratbag capitaine. Il est trop fort. Magnifique. Alors, je ressuscite grâce à un spectre, et voilà que je travaille avec un orque. Qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? On doit combattre l'ennemi avec ses propres armes. Les orques se détestent entre eux presque autant qu'ils nous détestent. Ouais, mais quand même, il y a de la marge là. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas... Est-ce que j'ai une petite arme? Non, pas du tout. Bon, qu'est-ce qu'on a alors? Gravir les rangs.
les souvenirs brisés ou les exilés? Bon, et ben vous savez quoi? On va... Oh non, je sais! On va se faire ça là! Voilà, on va se faire le recrutement, voilà. Au passage, on va récupérer des petits bonus. Voilà, on va récupérer. Voir le carnage qu'un de nos chasseurs a fait sur un pourtant en brière. Tu souffres. Sa lance l'a frappé si fort. Tu vas faire un gros trou dans sa poitrine. Alors, il est où le bonus? Il est où le machin? Ah, il est en dessous. Ah merde, il est vraiment tout en dessous. Voilà, il est là. On va récupérer ses petits bonus. On va essayer de faire la mission pour affaiblir l'armée de Sauron. C'est bien comme plan, ça. L'image devient plus claire. On y voit ce qui s'est passé et ce qui se passera si on parvient à l'emporter sur la main noire. Pas besoin de remparts et de fort immense. Toi, tu trouves que l'image devient plus claire? Vachement qu'elle est plus claire, ouais. Putain, on voit rien du tout, ouais. Ah là. C'est par là. Quand je participe à un combat, je veux toujours un bon chasseur à mes côtés. J'adore voir leur lance. Oh, je crois que j'ai écrasé une araignée en marchant dessus. Et je crois que je suis en train d'escalader une forteresse. Évidemment, tu sais. Je suis obligé de me rendre. Oh oh. Ah, c'est bon. Putain, heureusement qu'il a une belle détente, hein. Je vous déteste tous, moi, t'enculé. Non. Non. Bon, vous savez quoi, on va d'abord faire la mission et après on récupérera les artefacts. Recrutement. Les Uruks puissants intimident les plus faibles pour qu'ils deviennent leurs partisans. Si le capitaine réussit, il accroît son pouvoir. Empêchez le recrutement de nouveaux partisans et affaiblissez l'armée de Sauron. J'accepte! Suivez-moi et je vous découperai pas le visage! Ah ouais! Te suivre? Tu es pathétique! Putain, le pauvre, il a une tête de trisomie, genre! Alors, vulnérable coup finaux furtif. Ok, je peux peut-être l'assassiner alors. Merde. Yeah, assassinat. Oh oui. Boum. Recrutement foiré. Fulgun est mort. Tire à porte combat. Voilà. Et un nouveau cadavre à mon actif. Soumets-toi. Quelqu'un d'autre veut tenter sa chance. Ah merde, il part pas. Je crois que je vais être obligé de me tataner toute l'armée. Voilà. Non. Le Tark, c'est l'humain, je crois. Voilà, et une petite rune. Et ben il est où? Il est où l'objet? Il est là? Ah ouais, il était là. Thank you.
corps rouillé. Ce corps annonça la grande victoire remportée par l'Ultime Alliance lors de la bataille de Daggerlad, à la fin du Deuxième Âge. Il avertit du danger que représentait la bouche de Sauron, une armée composée de plus de 300 000 orques et le Seigneur des Ténèbres lui-même, à la tête des forces alignées contre les hommes et les elfes. Ce corps sonna la charge sur la plaine du combat et chanta les louanges des malheureux qui succombèrent. Ces âmes infortunées dès lors condamnées à hanter le marais des morts. Ouais, la fameuse bataille que l'on voit au tout début du premier film du Seigneur des Anneaux. Il paraît que l'ennemi est faible à gauche, et que les nains vont attaquer par là. Ensuite, on pourra peut-être s'éloigner de ces marécages puants et rentrer. Hier, l'ennemi a tenté d'engager les négociations. On a vu les hommes de l'émissaire quitter les lieux. Un être noir terrible sur un cheval noir, escorté par deux colosses, eux aussi vêtus de noir. Ils ne pouvaient pas faire partie de notre troupe, parce qu'on les soupçonnait de vouloir espionner notre organisation pour en faire un rapport à leur maître. À la place, un petit groupe d'elfes et d'hommes sont allés le rencontrer. On n'a pas entendu ce qu'ils se sont dit, mais la paix n'arrivera pas. Les rumeurs circulent dans le camp. Il paraît que la bouche de l'émissaire a noirci et brûlé avec les mots de Sauron. Et qu'en les prononçant, l'émissaire a beaucoup souffert. Il n'a promis que l'esclavage et le labeur. Et je suis bien obligé de le croire. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on n'arrivera jamais jusqu'au Mordor. Seule la mort nous y attend. Et pourtant, petit, vous y êtes arrivé. Et vous avez vaincu. Alors, je reviens sur le premier paragraphe. Hein. Il paraît que l'ennemi est faible à gauche et que les nains vont attaquer par là. Oui, alors, c'est pas quelque chose qu'on voit dans le film. Hein, parce que, bon, le film est assez représentatif du livre. Mais il manque quelques détails. Et dans le livre, hein, c'est marqué. Il y a bien eu des nains à la bataille de Daggerlad. Donc, la bataille de l'ultime alliance des hommes et des elfes. Pardon. Là où la bataille où Isildur tua Sauron. Vous avez entendu ? Dirael disait qu'il avait vu des fantômes dans les marais des morts. Je croyais qu'il n'avait vu que sa propre peur. Les insomniaques, les ombres, les morts. Le Mordor les appelle tous. Et dans les ténèbres, les liés. Je suis peut-être monté là où il fallait pas. Ah bah non, c'est là-bas. Je l'ai pas vu. Voilà. Ok, donc on va bientôt se quitter, mais avant ça, on va se faire des petites. Ah, des améliorations, j'ai pas. Ah si, je peux m'acheter deux compétences. Mais vous savez quoi, je vais les garder parce que bah ces deux compétences, c'est pas des trucs qui sont très très intéressants. Si, peut-être celui-là, allez. Voilà, je vais prendre celui-là et l'autre je vais le garder pour le palier d'après parce que je vais bientôt le franchir. Là, on va s'augmenter sa santé. Et on va s'augmenter sa concentration, voilà. Et dans les armes, qu'est-ce qu'on a ? Là, on n'a rien de nouveau. Là, on n'a rien de nouveau. Et là, on a des trucs de plus. Un meurtre par brutalisation a 52% de chance de terrifier plus de deux Uruks. Bon, ben, on n'a pas brutalisation encore, mais c'est pas grave, je le mets quand même. Réussir un drainage ou un marquage restitue 15% de santé. Bon, on n'a pas encore ses compétences, mais c'est pas grave. Alors, bon... Ben vous savez quoi, on laissera ça pour le prochain épisode. Et c'est sur cette vision que l'on va s'arrêter, hein. Des yeux, du nez, de la barbe de Talion, en train de surplomber un campement orc. Voilà. Donc on va s'arrêter sur ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.